à tous, bienvenue sur Couleur TV. Donc, nous continuons notre série de débats hebdomadaires. Aujourd'hui, nous commençons avec le troisième thème sur les enjeux sociopolitiques autour des prochaines élections de 2021 au Niger. Voilà, merci beaucoup. Donc, je tiens déjà à présenter nos chers débatteurs. Donc, aujourd'hui, vous avez à ma droite Dr Farouk. Donc, droit international, et vous avez notre ingénieur Ibrahim Dora que vous connaissez déjà. Alors, le thème d'aujourd'hui, donc, c'est justement, comme je le disais tantôt, les enjeux sociopolitiques autour des prochaines élections de 2021 au Niger. Donc, comme nous le savons, en fait, à l'approche des élections, on assiste toujours à certains rebondissements, on peut le dire, en fait, certains troubles entre justement les courants politiques. Et cette fois-ci aussi, il ne fait pas l'exception, justement. Nous avons d'une part, en fait, des controverses entre la majorité au pouvoir et l'opposition sur les débats politiques déjà et sur la tenue des prochaines élections. Donc, parmi ces controverses, on a déjà des revendications par rapport des revendications de l'opposition, justement, notamment la dissolution de la CENI, la démission des membres de la Cour constitutionnelle et l'audit du fichier biométrique et l'enrôlement des Nigériens de l'extérieur. Donc, après cela, il y a eu un peu de débat sur la validité des candidatures de président de PNDS Tareya et de Modène Falmana. Et en plus de cela, donc, il y a eu le débat sur le fameux article 8 du Code électoral national, donc l'article sur lequel je vais revenir tantôt. Donc justement, on va y aller à partir de cet article-là pour que je puisse poser la première question à Dr Farouk. Nous savons que cet article prévoit, en fait, dans son alinéa 2, que les personnes qui ont été condamnées, en fait, à un an d'emprisonnement ferme et qui n'ont pas été réhabilitées, en fait, ne peuvent être acceptées pour prétendre à la candidature pour la présidentielle. Et justement, sachant que M. Amamadou a été condamné par contumace à un an d'emprisonnement, du coup, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit d'une manœuvre politique de la part de l'opposition de refuser, en fait, la modification de cet article? Est-ce que pour eux, c'est une façon de bloquer la candidature de M. Amamadou? Avant de répondre à votre question, je me permets de vous remercier de m'avoir invité à ce débat hebdomadaire qui se veut riche et enrichissant, surtout autour de ce thème qui est d'une importance très vitale pour le Niger. Et pour en revenir à votre question, je dirais que les avis sont très divergents par rapport à ce fameux article 8. Comme vous l'avez dit, il stipule qu'une personne ayant fait l'objet d'une condamnation d'au moins un an de prison ferme et qui n'a pas été réhabilité ne peut s'inscrire sur la liste électorale, donc ne peut pas se présenter aux élections. Et il se trouve que M. Hamamadou, comme vous l'avez soulevé, M. Hamamadou a été condamné à un an de prison. Et à cause de disposition de cet article, justement, il ne peut pas se présenter aux prochaines élections. Ce qui n'est pas sans agacer l'opposition, puisqu'ils disent que les dispositions de cet article ont un caractère plutôt visé. Ils reprochent donc à la majorité de l'avoir gardé, justement pour faire bloc ou bien pour écarter d'emblée la candidature de M. Mahamadou lors des prochaines échéances électorales. Pour ce qui est de la majorité, ils ont soutenu l'idée selon laquelle l'article 8 en question ne fait que reconduire des dispositions déjà existantes. Donc, et que ces dispositions sont en totale conformité avec le code pénal nigérien. C'est la raison pour laquelle ils ont tout fait pour le maintenir. Mais si je vais répondre plutôt à votre question, je dirais que le fait que M. Hamad ne puisse pas se présenter aux prochaines élections, bien sûr, ça arrange la majorité. Ça fait leur affaire plutôt dans la mesure où priver d'un de ses leaders principaux, l'opposition se trouve forcément handicapée par rapport aux prochaines élections. Donc, grosso modo, ça les arrange qu'ils ne puissent pas se présenter lors des prochaines élections. Voilà, merci Dr Farouk. Et justement, par rapport à cet handicap, je vais revenir sur notre débatteur, monsieur l'ingénieur. Le Modène Falmana, en fait, étant déjà le leader, voilà, si on peut le dire, de l'opposition,
Et aujourd'hui, si jamais justement la majorité arrive d'une manière ou d'une autre à empêcher la candidature de M. Mahamadou, en fait, l'opposition, et surtout les modernes Falmana, risquent de se trouver privés d'un poids énorme. Et donc, est-ce que vous pensez qu'ils ont aujourd'hui une marge de manœuvre justement pour pouvoir bien se représenter aux prochaines élections, surtout le modèle Falmana? Bon, merci beaucoup de m'avoir invité. Avant de vous répondre, je vais essayer de revenir un peu à votre première question. Moi, je peux qualifier ce que la majorité a fait de mauvaise foi, si on peut le dire, parce que certes, l'article 8, ils ont juste reconduit ce qui existait déjà, mais si on se rappelle, avant la condamnation de M. Mahamadou, cet article-là a été débattu. Et avec l'opposition et la majorité, ils ont eu un consensus comme quoi, au lieu d'un an, ça sera 3 ans. Maintenant, après la sortie de la condamnation de M. Mahamadou, ils ont refusé que cet article de 3 ans soit maintenu. Il faut revenir à l'ancien article qui est 8, qui stipule que si une personne est condamnée à un an, elle ne peut plus être candidat. Donc, de là, on peut dire, voilà, ça a un caractère personnel. Du moment que ça a été débattu, ça aurait été que ça n'a pas été débattu, qu'ils l'ont gardé. Oui, on peut dire que voilà, ça n'a pas un caractère personnel. Maintenant, concernant marge de manœuvre, vous savez, les partis politiques au Niger, ils ont un caractère. Les gens ne suivent pas l'idéologie du parti. Les gens suivent la personne. Si aujourd'hui, dans un parti politique, le père fondateur n'est pas candidat souvent, ou bien ce n'est pas la personne qui l'a imposé, souvent le parti risque de ne pas avoir ce qu'il espère avoir. Donc aujourd'hui, la marge de manœuvre de Mala, si Hamma ne sera pas candidat, elle est très très réduite parce que déjà, actuellement, ils ont un problème de leadership. Ils sont même allés en justice pour trancher sur certaines affaires internes du parti. Donc je crois qu'ils ont un sérieux problème s'ils n'arrivent pas se présenter, mais nous espérons quand même qu'il se présentera à cette élection 2021. Voilà, merci l'ingénieur. Je ne sais pas si le docteur veut rebondir par rapport à Oui, cela. en fait, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Vous savez, les problèmes, l'un des principaux problèmes des partis politiques nigériens, enfin qui paralysent les partis politiques nigériens, c'est le culte de la personne. Normalement, dans une démocratie qui est digne de ce nom, les partis politiques sont censés être forts de leur programme. Leur poids ne devrait pas être automatiquement assimilé à celui de leur père fondateur. Normalement, leurs assises devraient être assez fortes pour résister à ce genre de carence. Donc, en cas d'empêchement, normalement, la relève devrait être assurée sans aucun problème. Donc, si les humanistes arrivent à dépasser l'absence de M. Mahamadou, ils pourraient surprendre plus d'un lors des prochaines élections électorales, les prochaines élections présidentielles. Faut-il encore qu'ils se mettent d'accord sur son héritier légitime? Mais pour ce faire, c'est simple. Il faudrait qu'ils mettent de côté leur lutte interne, les rivalités internes, pour faire front commun, afin de choisir cet héritier légitime qui serait à même de faire la différence lors des prochaines échéances électorales. Voilà, merci beaucoup. Donc, il y a un certain consensus quand même sur la question, du moment où justement on a ce problème-là chez nous et on en a vu l'exemple en fait. On en a vu l'exemple parce que quand on se rappelle du RDP Jama avec Feu Ibrahim Barre Bensalah, le MNSD a suivi également et aujourd'hui. Le modèle Falmana, on ne le souhaite pas en fait, mais on a déjà constaté par le passé que la majorité de ces partis-là, ils ont connu une certaine chute en fait, lorsque leur fondateur, justement, d'une manière ou d'une autre, ne pouvait plus les représenter. Donc on espère justement que cette opposition aura assez de poids aux prochaines élections, ce qui nous permettra d'avoir des élections beaucoup plus crédibles, si on peut le dire. Alors, je vais revenir sur le docteur par rapport à ces revendications de l'opposition. Alors, comme je le disais tantôt, en fait, l'opposition aujourd'hui demande la démission, la dissolution déjà de la CENI, démission des membres de la Cour constitutionnelle, l'audit du fichier biométrique et l'enrôlement des Nigériens de l'extérieur. Alors, est-ce que vous trouvez que ces revendications sont réalistes devrais-je dire, raisonnables en fait? Vous savez, toutes les revendications qui visent à réparer une injustice ou bien un tort ou qui prennent
je sais pas, la transparence dans un quelconque processus a toute sa légitimité. Maintenant, pour ce qui est de l'audit du fichier biométrique et l'enrôlement des Nigériens de l'extérieur, bien sûr, en respectant certaines règles, certaines mesures plutôt sanitaires liées au COVID-19, c'est tout à fait plausible, c'est réaliste. Mais pour ce qui est de la dissolution de la CENI et la démission des membres de la Cour constitutionnelle, je dirais que ça l'est moins, ça c'est pas réaliste. Vu que, ce faisant, il y a de fortes chances que les échéances électorales soient repoussées ou bien reportées. Et cela n'arrange personne, ni les positions, ni la majorité, encore moins le peuple nigérien. Et rien ne nous garantit que, en dissolvant la CENI et en, je sais pas, en poussant à la démission des membres de la Cour constitutionnelle, que l'opposition serait satisfaite du résultat. Ou que la recomposition de ces deux institutions constituerait, je sais pas, une sorte de garantie pour mettre à l'écart ou bien pour contrecarrer la méfiance ou pour rassurer l'opposition. Vu que ce sont les membres du gouvernement ou bien le gouvernement en place qui désignent les principaux membres de ces différentes institutions, de ces deux institutions, il y a aucune garantie que l'opposition sera d'accord avec les membres qui seront désignés par le gouvernement. Donc, c'est un cercle vicieux. À mon avis, les deux premières revendications sont tout à fait plausibles, c'est réaliste, mais pour ce qui est des deux autres, c'est vraiment pas réaliste. D'accord. Bah, merci beaucoup, docteur. Je ne sais pas ce qu'en pense l'ingénieur par rapport à ces revendications de l'opposition. Bon, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Omar, parce que le temps est contre nous, parce qu'aujourd'hui, si on dit qu'il faut dissoudre la Cour constitutionnelle, dissoudre la CENI, le temps qu'on prendra pour mettre la CENI en place et la Cour constitutionnelle en place, on risque de se retrouver face à un vide juridique, parce que sinon, on risque de se retrouver pour une transition, ce que notre pays n'a pas besoin aujourd'hui. Ça ne nous reste que 5 mois pour organiser les élections et choisir un président démocratiquement élu. Donc, on n'a pas besoin aujourd'hui de recomposer une CENI, recomposer une Cour constitutionnelle, puis organiser les consultations électorales pour partir faire les élections. Moi, je crois que ce n'est pas réaliste la question. C'est juste une manière de mettre des pressions au pouvoir, enfin, sur certains points. Maintenant, pour ce qui est de l'audit du fichier électoral, ils ont tout à fait droit et c'est tout à fait réaliste. Et derrière, c'est ce qui, même la majorité, devra encourager cela pour nous permettre de montrer qu'elle est de bonne foi pour organiser ces élections. Maintenant, si elle dit qu'elle ne va pas accepter ça, ça se montre qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui cloche. Mais je crois qu'ils ont déjà sollicité l'aide de... comment s'appelle cette organisation internationale de la francophonie, OIF, pour leur aider à auditer ces fichiers-là. Donc, je crois, dans ce sens, oui, ils seront tous d'accord sur ces points-là. Mais pour ce qui est de la Cour constitutionnelle, je ne crois pas. C'est une demande que l'opposition a fait vraiment tardive. En tout cas, l'audition du fichier électoral, c'est la moindre des choses pour qu'il y ait des élections transparentes au Niger. En effet, et je pense que pour ça, il n'y aura pas de souci. De toute façon, c'est en cours avec l'OIF, comme à l'accoutumée déjà. C'est toujours presque quasiment l'OIF qui audite ce fichier. Et sur la question de l'enrôlement des Nigériens de l'extérieur, ça nous concerne directement, justement. Et on sait qu'avec les contraintes sanitaires aujourd'hui, ce n'est pas facile. Mais nous ne sommes pas contents tout de même quand même de ne pas pouvoir participer à ces élections. Parce que nous sommes des citoyens tout autant que ceux qui sont au pays. Je veux revenir sur ce point-là du recensement des Nigériens à l'extérieur de la diaspora. Il faut se dire la vérité. Pendant cette période du coronavirus, beaucoup de pays ont organisé des élections. La France en a organisé. La Côte d'Ivoire a fait des recensements pendant cette période-là. Elle l'a fait aux États-Unis et autres. Aujourd'hui, on nous vante qu'on a des relations diplomatiques très fortes, le Niger est connu. Aujourd'hui, on doit exploiter cette relation diplomatique pour envoyer juste quelques agents ou bien recruter des agents ici qui sont capables de faire cette activité pour recenser les Nigériens. On peut respecter toutes les barrières qu'il faut. Aujourd'hui, si on dit que dans le code électoral, il faut un fichier électoral national. Et quand on dit ça, la 9e région qui est la diaspora, elle est intégrée. Si aujourd'hui on nous écarte de ces élections, ce qui veut dire les fichiers, on part vers une élection sans qu'un fichier soit en concorde avec... Pas une représentativité absolue. Absolue des choses. Certes, on dit qu'il y a des cas de force majeure, mais là, ils ont exagéré ces cas de force majeure pour profiter, garder une partie de l'argent. Tout le monde le sait, peut-être pour faire des économies.
Mais aujourd'hui, la situation ne permet de le faire. Voilà. Il suffit juste de jouer des relations justement. En fait, c'est facile d'impliquer les différentes ambassades du Niger à l'extérieur. On n'est même pas obligé de faire déplacer des agents de la CENI à partir du Niger. On peut se contenter de ceux qui sont sur place. Il y a une représentation diplomatique dans pratiquement chaque pays aujourd'hui. Et une représentation diplomatique du Niger dans pratiquement chaque pays. Donc, on peut se contenter de mandater les membres de l'ambassade pour recenser les Nigériens. Et par exemple, si on prend le cas du Maroc, on ne dépasse pas 1500 Nigériens au Maroc. À la rigueur, 1200. On peut essayer de voir avec l'ambassade de gérer la situation pour essayer de recenser tout un chacun. Parce que, comme l'a dit mon collègue, le fait d'écarter une partie de la population jette un certain discrédit sur les élections qui vont venir. Quoi. Oui, justement, j'allais en venir à ça. En fait, vous avez touché une question très importante, c'est les ambassades. On a des représentations diplomatiques et consulaires dans presque la majorité des États aujourd'hui. Et franchement, prenons juste notre cas en fait, du Maroc. Aujourd'hui, nous le savons très bien. Nous savons pertinemment que ce n'est pas en fait, les moyens qui manquent ici. On n'a même pas besoin de beaucoup de dépenses pour pouvoir faire un recensement ici au Maroc. L'ambassade est là et franchement, il y a des bonnes volontés qui peuvent même le faire, même gratuitement s'ils le veulent, parce que c'est un droit civique qui nous revient. Et aujourd'hui, franchement, on a besoin de revendiquer ce droit-là. Mais quand on avance des contraintes sanitaires, on ne peut que suivre de toute façon. Mais là, on a un moyen de crier notre... En fait, je voulais revenir sur la même question. En fait, avec les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est facile, c'est très facile de faire le recensement. En plus, le recensement plutôt. On n'est même pas obligé de faire déplacer, même les membres de l'ambassade ne sont pas obligés de se déplacer. Voilà, merci Dr Farouk. Justement, on a assez débattu sur ce sujet de l'enrôlement des Nigériens de l'extérieur. Et donc, nous allons revenir sur la question du boycott, en fait, de l'opposition lors du débat électoral, en fait, pour l'adoption du nouveau code électoral. Nous savons que l'opposition a décidé de boycotter ce débat-là. Ce qui fait que ce code a été adopté, en fait, c'est une participation vraiment effective de l'opposition. Et aujourd'hui, que pensez-vous de la légitimité de ce code, justement, à propos de ça? Bon, merci. Moi, ce que je peux condamner concernant l'opposition, c'est leur politique des chaises vides. Donc, aujourd'hui, on savait que ça n'amène rien de beau, une politique des chaises vides que l'opposition a adoptée à chaque fois qu'il y a question de faire un dialogue. Moi, je pense que l'opposition n'a qu'à changer de stratégie, essayer de partir faire le dialogue, peut-être imposer sa pensée s'il le faut, mais qu'elle essaie d'éviter la politique des chaises vides. Maintenant, la légitimité du code électoral, moi, je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est que nous, même si la population ne légitime pas un code électoral, tant que la communauté internationale valide la chose, ça y est, on le fait avec. C'est comme si on nous impose ça. Donc, je crois qu'aujourd'hui, juste on attend les élections, voir tant que la communauté internationale est valide, ça y est, c'est fini. Donc, au mieux que l'opposition essaie de participer à ce processus électoral. D'accord, merci l'ingénieur. Alors, docteur, est-ce que vous voulez rebondir par rapport à ça? Oui, en fait, je suis d'accord avec mon collègue sur le fait que le boycott et la politique de la chaise vide, ça jette un certain discrédit sur le code électoral. Mais sur le plan juridique, ou bien du point de vue juridique, le fait qu'ils aient boycotté ou bien n'aient pas pris part aux négociations ou bien à la mise en place ou bien l'élaboration de ce code, ça n'entame en rien sa légitimité. D'accord, bah, c'est déjà ça en fait, c'est déjà ça. Donc, et du moment où juridiquement parlant, le code est légitime, donc il n'y a aucun problème par rapport à cela. Donc nous allons marquer une petite pause pour la fin de cette première partie. Donc nous reviendrons sur des questions beaucoup plus, je dirais, d'ordre, en fait, un petit peu social, donc c'est pour la deuxième partie.